Bonjour, nous sommes le lendemain. J'ai pas pensé à vous prendre hier dans ma fin de journée, mais j'ai été à mon cours de yoga. Après, on est rentré, on a mangé avec Alexis, on s'est rematé une série et tout. Donc voilà, rien de particulier. Là, je vais aller chercher mes œufs dans le poulailler. Il est 9h23. Les enfants sont à l'école, crèche. J'ai juste une des petites que j'accueille qui est là pour la journée et elle est à la sieste, donc du coup, tout juste. Donc du coup c'est parti, je vais aller chercher mes œufs. Je vous montrerai tout à l'heure parce que je vais pas prendre ma caméra parce que j'ai plein d'œufs à récupérer. Mais les poussins ont bien grandi, ils sont trop choupis. Mais je vous montrerai ça tout à l'heure, je pense vers midi, quelque chose comme ça, quand il y aura Alexis et que je pourrai faire un petit peu plus de choses, parce que là on restera au maximum, on fait vite pour aller dehors. Et puis voilà. Bon, voilà ma mission, ça va être de ranger ça parce que franchement je ne peux plus voir mes placards. Ça c'est bon, ça me va, il n'y a pas de problème. Mais à partir de là, quoi, enfin, tout ce qui est ensuite, ça va pas. Franchement, il n'y a rien qui va. C'est le bordel. Donc bon, allez hop, je vais m'occuper de ça. J'étais en train de vous parler et je me suis rendu compte que j'avais ma musique en fond, donc c'est juste pas possible. Donc j'étais en train de vous dire que dans cette panière là, ça vient de chez Ikea. Enfin de toute façon je vous l'ai déjà dit, mais toute ma cuisine vient de chez Ikea. J'ai mis en fait tout ce qui était farine, sucre et levure, etc. Là voilà, je vais m'arrêter là parce qu'en fait j'ai plus de batterie, donc il faut que je vous recharge. Là je vais laisser les conserves, ou alors je vais les mettre un poil plus bas, juste ici. Les conserves, pas du tout. Les bocaux, pardon. C'est des bocaux comme ça, hein, avec... voilà, c'est le vrac. Je pense que je vais le mettre peut-être un petit peu plus bas. Et je vais passer tout ce qui est ici, là, ces deux plans-là. Je vais les mettre là, voilà. Parce que, bah, il y en a marre. Il faut que je trouve une façon d'organiser ici. Je trouve ça un petit peu compliqué vu que c'est haut. Et bah assez profond quand même, quoi. Enfin je pense que vous pouvez voir que c'est quand même assez profond. Voilà, faut que j'essaie de trouver une technique là, parce que c'est pas des plus pratiques. C'est vrai que c'est bien, il y a beaucoup de rangements, etc. Ça c'est sûr. Mais ce qui est en haut, enfin voilà quoi. Moi j'arrive là au niveau de mes placards, donc là je suis à fond au niveau de ma main. Donc bon, allez, je vais vous recharger et on se retrouvera tout à l'heure. C'est bon, tout est réorganisé, donc c'est cool. Je vais juste passer commande sur Ikea avec des nouvelles panières, comme ça je vous montrerai où c'est que je vais les mettre, enfin pourquoi j'en ai besoin, notamment là, enfin bref. Je vous expliquerai ça et je vous montrerai ça quand j'aurai tout fait. Donc voilà, une bonne chose de faite. Voilà. Ensuite, franchement, je vais vous montrer quelque chose, mais je me dégoûte. Franchement, je suis vraiment pas contente de moi. Je vais vous montrer tout de suite la raison. Voici tous mes produits d'entretien. Non, mais c'est juste... C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je vais faire un tri tout de suite de ce que je garde et de ce que jette. Mon but, c'est vraiment d'avoir de finir vraiment ce que j'ai envie de finir, mais après d'avoir un minimum de produits. Il n'y a pas besoin d'avoir autant de choses là. Enfin, c'est ridicule quoi. C'est ridicule, franchement, ça me saoule. Ça me saoule vraiment. Donc, je vais faire le tri de tout ça et ce que je ne veux pas garder, je vais le mettre de côté dans le bac qui est là, là. Et je vais le donner, voilà, tout simplement. Je vais le mettre sur Facebook. Donne produit d'entretien si ça peut dépanner quelqu'un autre que moi, parce que franchement, là, j'en peux plus. Bon, c'est la sieste acte 2. Pour la petite que j'accueille, donc je peux vous reprendre. Ben non, j'allais ranger la salle de jeu, mais il n'y a aucun jeu qui traîne, donc c'est très bien. Je vais aller faire du montage, je vais aller faire mes mails avec mon café au lait. Je suis fatiguée là. Je sais pas ce qui me prend, j'ai un coup de barre.
Ouh la vache, bah dis donc. On a bien joué ce matin avec la petite. Aïe, attendez, je vous pose. Je vous mets où là? On a bien joué. On a fait des activités de motricité pour elle, quoi. Enfin, pour qu'elle puisse. Non, peut-être pas pour moi, je sais pas pourquoi je précise. Pour qu'elle puisse un petit peu se mouvoir plus facilement, là. Se retourner plus facilement et se remettre sur le dos plus facilement. Et on a aussi pas mal fait d'éveil. Donc c'est très bien. Voilà, c'était calme aujourd'hui, ça fait du bien, ça permet de prendre les choses un peu plus cool, etc. Donc c'était chouette. Je vais éteindre la télé là, je sais pas. C'est insupportable. L'amour, là j'en sais rien, mais non merci quoi. Alors, j'étais en train de vous dire quoi? Bah je sais plus. Oui, il faut que je fasse ma miniature du vlog avec mes 11 kilos de courgettes là. Et ça sera... Ouf, oulala. Ouh, ma colonne. Je vais pas vous faire des titres accrocheurs complètement faux comme on peut trouver parfois en mettant je me suis brisé la nuque, hein. Ça a juste craqué. Parce que des fois au secours quand on voit les titres et que tu regardes les contenus, tu te dis mais c'est une blague ou pas? Bon, pourquoi pas. Bon allez, je vais m'occuper de ça et ça serait une bonne chose de faite. Après, faut que je fasse un article sur mon blog pour la marque Phase Up. C'est des patchs, vous savez, pour les ondes. Bon, je fais cette miniature et j'ai pas mon stylet. Ah, c'est... Ne perdons pas cette petite chose. Au secours, j'ai tellement peur que les enfants le prennent, notamment Robin, parce qu'Antonin il sait qu'il faut pas le prendre, mais... Et puis qui l'écrit avec la... C'est une mine pour iPad, hein, mais voilà. Qui écrive sur les murs et qui me l'abîme. Ça m'embêterait quand même. Bon allez, au boulot. On s'arrête jamais ici. On se retrouve au même endroit que tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, je mange un pain au raisin. J'ai presque rien fait de ce que je devais faire jusque-là. Ma miniature, c'est bon. J'ai pas commencé mon article de blog, mais par contre, je suis en train de faire ma barre d'infos. Ça aussi, c'est quelque chose. Coucou Abby. Coucou chérie. Encore en train de voler quelque chose, comme d'habitude. Et je vous ai pas dit, mais le médecin il avait trouvé que son poids était... En fait, au niveau de la courbe de taille, elle est donc tout en haut de la courbe. Bon, je suis pas étonnée, hein, parce que c'est pareil pour Robin, puis Alexis, il est grand, quoi. Et par contre, au niveau de la courbe de poids, coucou Robin, au niveau de la courbe de poids, elle est fourchette basse. Elle est tout en bas de la courbe. Donc il s'inquiète pas parce que bah elle mange très bien et que bah voilà, elle fait pas maigrichonne, hein, elle est normale. Mais à contrôler la prochaine fois. Voilà, pour le vaccin début août. Merci. Qu'est-ce que t'as mis? Regardez ses petits cheveux blonds, Ali. De quoi? La télé. Pourquoi faire? Titi. Titi? Non. Hmm. Là. T'as mis ta casquette? Un Robin? T'as mis ta casquette? Un Robin ma tête. Tu bugs? Bon, je vous rassure, il a allumé la télé. Enfin, il y a la télé, mais il ne la regarde absolument jamais. Il est absolument pas intéressé. Et c'est très bien. Bon, Alexis est en train de se préparer, je suis en train de faire le repas. Donc c'est du poisson avec une sauce beurre blanc et du riz. Et puis
Moi je mangerai tout à l'heure en fait, parce que là je vais faire une... Enfin quand ils seront au lit, habillé Robin, parce qu'Antonin est parti chez son papa, je ferai une séance de... Je ferai ma séance de sport, donc je ferai du football et après je finirai par du yoga. Voilà, donc c'est pour ça que je ne mange pas maintenant. Je mangerai après mon sport. Parce qu'aujourd'hui je ne vais pas à la salle et demain non plus, donc j'aurai été que deux fois cette semaine. Donc il faut que je fasse du sport à la maison pour faire mes 4 séances de sport de la semaine. Voilà, bon allez, le devoir m'appelle. Bon, je viens de mettre les enfants au lit, mais Robin a un petit peu de mal. Je me suis préparée. Je me suis préparée pour mon sport. Je mets mes autres lunettes parce que celles-ci elles tiennent super bien au nez. Ça ne bouge absolument pas, donc ça reste comme ça. Et bah c'est parti, je vais faire une séance de football et après je ferai du yoga. Je crois que je vous l'ai déjà dit, j'ai un doute. Dans le cas, je vous le dis encore. Allez, je vais vous laisser là. Je vais aller prendre ma douche. Je vais aller ensuite manger. Donc c'est poisson riz. Ça ira très bien après cette séance. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai mis une musique relaxante en fond. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Je vous ai pas filmé toute la séance. Je vous ai filmé une petite partie que vous puissiez voir un petit peu. J'ai mélangé un peu de pilates et de yoga. Je sais pas. Je sais plus exactement ce que j'ai filmé. Quelle partie de ma séance, mais voilà. Bonne chose de faite, ça libère les tensions. Allez, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine. Bye!